C'est avec une très grande fierté et une grande émotion que je vous accueille aujourd'hui à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines, pour le lancement du NanoSat UVS LuSat. Le satellite est bien dans le lanceur. Le lanceur est en position verticale et normalement tout semble bien parti. Donc la mise en orbite du nanosatellite UVS LuSat constitue un événement scientifique et technologique exceptionnel, et ceci à plus d'un titre. C'est ouvert. Dans la météo, on a 60% de conditions favorables, mais j'ai l'impression qu'ils vont lancer tout ce système parce qu'on a à bord un potentiel record, 143 petits satellites qui sont embarqués à bord de cette fusée. Le spatial est au cœur de la surveillance du climat. Une grande partie des variables climatiques dites essentielles, donc celles qu'on a besoin d'appréhender, n'étant accessibles que depuis l'espace. Le développement de constellations de petits de nanosat permettra de parvenir à des mesures à la fois plus fréquentes, plus locales, qui sont tout à fait pertinentes dans ces questions liées au changement climatique. It's Saturday, January 23rd, and we're here at SpaceX's headquarters in Hawthorne, California. La mise en orbite à laquelle nous allons assister constitue l'aboutissement de plusieurs années d'intenses recherches menées par les équipes du LATMOS, et en particulier ici, au sein de l'UVSQ et de l'Observatoire. Les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs et étudiants, et tous les autres personnels qui ont travaillé au développement de l'UVSQ-SAT, depuis la phase de conception jusqu'à la phase de test, ont fait preuve d'un engagement total et continu depuis le début du projet en janvier 2019 et tout au long de l'année 2020, et comme l'a souligné Chantal, malgré la crise sanitaire. On board this mission are 133 commercial and government spacecraft, in addition to 10 Starlink satellites, the most spacecraft ever deployed on a single mission. Il faut savoir qu'UVSQ-SAT, c'est la première brique pour nous d'un dispositif. On est sur un démonstrateur technologique et scientifique. Et quand on va vouloir émerger une idée, ça prend du temps. Donc ce programme a été imaginé, donc je l'ai imaginé, et on a partagé ce chemin au milieu des années 2000. Donc c'est pour nous un grand honneur de vous présenter ce programme et de voir qu'aujourd'hui on avait réussi à mettre en place juste la première brique. The vehicle is healthy and we are currently working no issues. The range is standing by to support. Again, the weather is red, but we'll continue to monitor that all the way until T0 to see if we get a chance for liftoff today. All systems continue to go for a liftoff at 9:40 a.m. Eastern time. L'idée du Constellation, c'est d'avoir des satellites qui sont toutes sur des orbites un peu différentes, mais qui permettent de couvrir finalement la planète. Et je me permets de dire, je souhaite donc une longue vie au satellite UVSQ, fruit de près de 20 ans d'efforts, et on attend avec impatience sa moisson de nouvelles données. Je reste les pieds sur terre, mais j'ai la tête dans les étoiles.